salam le monde. À l'occasion de la Coupe du Monde 2022, j'ai sorti un son pour le Maroc. Lion de l'Atlas est dispo sur ma chaîne HPP Music et sur toutes les plateformes de stream. Bombardez ça les frérots. Allez, bonne vidéo. Et salam le monde, ça qui est pas possible et le padré, on est de retour bien sûr pour ce quart de finale historique où le Maroc va affronter et affronte même déjà là le Portugal. 28 secondes de jeu, on est déjà à fond dans le match. On était déjà en train de parler de ceux qui remplacent justement Mazraoui et notamment Aguerd. Donc voilà, tous les deux blessés. Bon, ça reste d'être très compliqué. Je sais même pas quoi dire là parce que ça va être un match très difficile pour nous. Mais voilà, non, mais on espère être des hommes encore une fois. C'est un match difficile voilà. Pour les deux équipes, ouais. C'est pas seulement pour nous. Et du coup, voilà, papa, toi, comment tu sens ce match? Comment tu le vois? Voilà. Moi, franchement, c'est un match ouvert. Ouais. Pourquoi pas? Je pense qu'il va y avoir un peu plus de spectacle. Parce qu'on est là, Portugal, Maroc, ils sont là. Donc, j'espère que le match il sera passé comme il faut. Et on va voir très bon foot. Et pourquoi pas la victoire pour le Maroc. Et du coup, tu dis quoi comme pronostic, hein, papa? Pourquoi pas 2-1 pour le Maroc? Dans les 90 minutes ou prolongation? Moi, j'irai. J'espère qu'il sera dans 90 minutes. Bah, moi, j'irai victoire 1-0 en prolongation. Est-ce que je crois cette méthode du Maroc, toujours quand ils rentrent, ils ne sont pas pressés pour jouer tout de suite. Oui. Ça. C'est fort. Ce qu'il fait l'entraîneur Regragui, je crois cette méthode-là, pourquoi pas? Ça fonctionne. Parce que si tu rentres, tu prends la balle, tout ça, je crois que tu perds l'énergie tout de suite. Tu perds pas mal de... Donc, je crois, ce système-là, pour les Marocains, il donne un peu de solution, de positionner dans le terrain, prendre la confiance. Parce que si tu ne prends pas les buts dans les... première demi-heure, je crois que tu vas voir beaucoup de valeur. Tu vas dire oui, je suis là, donc je peux gagner. Donc voilà, c'est ça. Il ne faut pas prôner le but au début. Oui. Ça, c'est la merde. Regarde, on joue hors-jeu. C'est hors-jeu, hein. Hors-jeu. Non, c'est hors-jeu. C'est hors-jeu. Non, il y a hors-jeu. Neri, Neri, il faut pas rater ça. Neri, tu es seul. Neri, je rate ça. Regarde, regarde. Mais en bas. Quand même, serré combien il court, franchement. Combien il a couru dans ces matchs-là, je sais pas combien de kilomètres. Franchement, il est fort. Même les gens, ils disent, oui, il n'est pas techniquement. Mais comme ce qu'il a dit... Mary Crimo, il joue comme lui, il a dit, c'est un mec turbo, hein, franchement. J'ai vu Ziyech maintenant son rôle, comment il est, regarde. C'est pas Ziyech d'avant, ça n'a rien à voir. Tu sais, ce jeu-là, c'est pas difficile pour le Maroc. Hein. Mais seulement, on va se fatiguer un petit peu. C'est ça que... Bah, c'est que physiquement, on a déjà joué un match comme ça, donc je sais pas si on serait capable de jouer un autre match comme ça, tu vois. Oui. Allez, chin chin pour... pour la victoire du Maroc au demi-finale, Inch'Allah. Vas-y, oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bien, bien. Il a la place, il faut tenter. C'est bien, c'est bien, c'est bien, Ziyech. Dégage là, hein, mais pas en corner. Hein. Oh, Bouffal! Oui. Mais il a faute. Mais il est incroyable. Mais il vient de faire quoi là encore? Comment il a pas joué en Angleterre, ce mec? Ouh, il a marqué combien de buts? Je sais, ils l'ont grillé. Moi, franchement, je sais pas. Oui, il a fait. Oui, je sais pas pourquoi il a. Je sais pas. Parce qu'il y a des fois, tu comprends rien. Niri, Mrabat. Sans pied droit, sans foi, voilà, corner. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien, là, on commence à prendre confiance. Hein. Bien sûr. C'est bien, tu vois bien. Le match équilibré, ça y est. Là, ça y est. Tu vois, on voit qu'il y a... voilà. C'est le même niveau. Voilà. De côté, ouais. Même niveau. C'est pas grave, on montre qu'on est là. C'est... non. Miri. Tu as vu? Tu fais pas comme ça. Tu mets la tête à droite, chez Hakimi. Oui, oui, oui.
Vas-y, garde le rythme. Vas-y. Ouais, bien. Ouah, bon moi. Ouais, centre. Oui. Oh non. Amala. Non, c'est bon, le match, c'est 50-50. Hein. On est bien. Hein. On est étonné. Hein. Même nous, des fois, on est un petit peu mieux que les Portugais dans l'attaque. Parce qu'ils perdent beaucoup les ballons, les Portugais. Ils n'arrivent pas à faire. Nous, on fait un peu après, danger. Moi, ce que j'ai peur, c'est que tu vois, c'est que physiquement, on craque un peu de cette deuxième mi-temps. Tu vois. Mais on va voir. Oh, bien joué. Hein. Bien joué. Oh là 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 là. Oh, bien joué là. Il l'a ramené encore. Mais il est malade. Oh, pourquoi pas. Oh, oh, Hakim, doucement. Neri. À la mi-temps. Oui, quel but. Quand je dis Nseri, c'est un bonhomme. Les gens, oui, c'est pas joué. Ils connaissent pas contrôler. Unai. Incroyable. Et le centre. Oh là 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 là. Moi, j'y crois pas. Tu sais que je crois qu'elle est. Je sais pas, je la vois pas dedans en fait. Mais encore. Nseri. Il saute haut. Wow. Tu sais combien de mètres il a sauté. Mais il saute hyper haut. Ouais. Même le gardien, il n'arrive pas. Regarde le gardien. Miri le poteau. Ah, je me tais. Il faut fermer. Il faut fermer. Ouais, c'est ça ce que j'ai dit. On va prendre le but. Il faut qu'on casse le jeu. Parce qu'on n'est pas bon dans le match. On n'est pas bon. C'est bon. Allez, bon, regarde, c'est tous les Portugais font pression sur. C'est normal. Ils pleurent. Il faut que de pleurer. Ils vont se mettre à dos l'arbitre. C'est parfait. Bref, 1-0 à la mi-temps, les gars. Ça va être dur. Mais c'est un truc de ouf. Là, on va rentrer dans l'histoire. Allez, on est parti en deuxième. L'Algérie, il est blessé, Saïs. Mais il peut pas jouer. Il peut pas jouer, Saïs. Je t'ai dit tout à l'heure. Il peut pas jouer. C'est pas pourquoi on prend ce. Excuse-moi, c'est. Ah oui, quand même. Regarde, Pépé. C'est un cinéma. Allez, deuxième but. Comme ça, l'affaire réglée. Oh, même deux buts, l'affaire, elle est pas même réglée. Tu as raison. Oh, regarde l'Argentine. Voilà. Ah oui, pour moi, il n'y a rien qui est réglé. Oui, dans mais cette si on marque. Oui, on les tue on un a peu plus, encore mais... beaucoup de. Parce que pour qu'ils reviennent, les Portugais, c'est pas facile, 2-0. Tu peux leur mettre vraiment. Là, tu les mets mal. Voilà. Hein. Je suis d'accord. Allez, cadre. Yeri. Oh Yeri. On a raté encore un truc de fou. Regarde. Ah oui, c'est le gardien. Mais oui, mais regarde, elle lui retombe dessus. C'est bien, mais cassez le jeu. Doucement. Pourquoi? Doucement, laisse Ziyech. S'il te plaît. Moi, j'aime pas. Les matchs comme ça, c'est les matchs pour Ronaldo, je déteste. Ça, c'est les matchs où il va se réveiller, il est critiqué, le Portugal il perd 1-0. C'est le match pour faire taire tout le monde. Non, Ounani. Mais en plus, t'aimes bien ces frappes-là. Il est tellement fort sur ces frappes-là en plus. Ounani. Tu le places. Mais ouais, là, c'est même trop. Même là, non, il devait pas jouer. Moi, aujourd'hui, je le joue pas. Je le jure, je le joue pas et je laisse. Si, Inch'Allah, on passe demi-finale, il joue demi-finale. Je laisse reposer. Inch'Allah, pourquoi pas? Tout le monde qui rentre en effort. Tout le monde qui rentre, il va faire son devoir. Ne t'inquiète pas, Kim. Bon, oui. 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 Quel homme. Bravo. Oh, magnifique cette défense. Magnifique. C'est bien. Laissez le jeu. Il faut récupérer les mecs. Hein, maintenant, Portugal, ils vont faire tout. Nous, les contre-attaques. C'est tout, il faut qu'on récupère. Bah là, un ça petit me fait peu. Penser un peu le match contre la Belgique. Oui, aussi, on oui, mène voilà. 1-0,
Tu vois, on est un peu dans le dur, mais... Ah, il va jouer avec trois dans l'axe central. Ça y est, j'ai compris qu'est-ce qu'il va faire. Oui, bien sûr. Eh oui, les trois dans l'axe, ils sont forts. Hein. Moi, je te dis, hein. C'est ça qu'il faut donner la chance. Il faut pas que... Oui, moi, au départ, je joue pas Saïs. Laisse-le. Yarb, 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 putain. Tout seul, tout seul. Il est tout seul. Non, pas les deux. Pourquoi les deux? Oh, oh non, il est fort. Mais non. Qu'est-ce qu'on rate? Mais Unai, on est fort. Unai, il est fort. Unai, mais il quand est tu vois, tu gagnes 1-0, tu fais cette action, excuse-moi. Faute. Doucement. Non, c'est quoi? Non! Mais quel arrêt, Boudou! Néri! Reviens, on n'a pas le temps. Hakimi, on n'a pas le temps. Vas-y, voilà, c'est bien, ça c'est bien, tu gagnes une minute là-dessus. Allez. Bien sûr, restez là, très bien, ils ont compris, restez là. Tu vas aller jusqu'où, frère? Sorti, très bien. Allez, cassez le jeu, doucement. Wallah, il casse tout le monde, lui. Rouge. Nili. Vas-y, prends-le. Non. Nili. Rabat. Donne-la une touche. Nili. Qu'est-ce qu'il rate? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-la! C'est bon. Nili Hakimi, il est mort. Nili Hakimi. Oh, alhamdulillah. Demi-finale, cette soirée-là, Inch'Allah, et la France aussi, il gagne. Meilleure soirée, je vais voir dans ma vie. Demi-finale, Maroc, demi-finale. Mais je crois qu'on va aller au final. Mais non, mais là, maintenant. Eh oui. Peu importe, France ou Angleterre. Là, c'est la finale maintenant. C'est là. Là, ça y est, il faut pas rêver ou quoi. Ah les oui, gars, les mecs, bon, ça y est, finale, c'est fini. C'est finale ou rien. Même contre Portugal, on a raté des buts. On peut gagner 3-0 et on peut faire match nul. Ouais. Et avec des joueurs, on a défendu. Donc, ça se voit comme quoi on est fort. Tout ce qui passait, on a assumé. Donc du coup, les amis, j'espère que vous avez surkiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, comme d'habitude. Et à vous abonner si ce n'est pas fait en activant cette fucking cloche. Et dites-nous en commentaire votre top, votre flop. Et voilà, ben, comme d'hab, j'espère que cette vidéo va cartonner. Rien que la dernière, elle a surcartonné. Mais alors là, je pense que celle-là... Et ce soir, on sera prêt encore pour deuxième match pour notre pays aussi. Il va falloir que je me dépêche. C'est la France. Donc j'espère qu'on va gagner aussi. Et comme ça, on va voir Hakimi contre Mbappé. Ça va être incroyable. Voilà. Ce sera incroyable. Et ça fait plaisir. Je vois Mbappé contre Hakimi. Ce sera incroyable. Voilà. Ce sera incroyable. Donc voilà les gars, on se retrouve très vite. C'est Hakim Babassim et le Padre. On vous aime. On vous fait la fucking build. Faites la place.